salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, comme vous l'avez vu, de toute façon la miniature. C'est pour découvrir cette fois-ci les figurines de 68 à 73, si je dis pas de bêtises. Il y a vraiment des très très bonnes surprises à l'intérieur, du coup ça va être plutôt classe à montrer. Du coup on est parti tout de suite pour la découverte de ces figurines plutôt stylées, et c'est parti. Bon alors comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vais faire mon petit top des figurines que j'ai reçues, donc en partant du celle que j'aime le moins, malgré qu'elles sont plutôt stylées dans ce pack, dans ce colis, jusqu'aux celles que vraiment je surkiffe, et vraiment les deux dernières, même les trois dernières je dirais, elles sont vraiment excellentes. Donc on commence du coup avec le numéro 68, donc Karui, donc qui est normalement avec l'équipage, enfin pas l'équipage mais avec l'autre personne qui contrôle, qui devient le Raikage plus tard je crois. Du coup son petit poster. Ah bah oui, bah d'ailleurs c'était avec celui-là que je l'avais reçu la dernière fois. Je sais plus si on l'a reçu celle-là, donc lui bah forcément on l'a eu. Donc ouais, donc si on a eu celui-là, bah en gros on aurait toute l'équipe au complet. Donc après le poster il est tout ce qu'il y a de plus basique. Et la petite figurine. Donc voilà, alors elle se présente comme ceci, donc c'est une position tout ce qu'il y a de plus basique. C'est vrai que là où j'ai un petit peu de mal en fait quand vous voyez comme ça, c'est au niveau de son visage, j'ai du mal à reconnaître un tout petit peu le personnage. Bon après l'épée est tordue, bon après ce n'est qu'un petit détail ça forcément, mais mine de rien ça reste sympa. Bon c'est une position basique, elle a les cheveux assez longs, plutôt bien détaillés. Il n'y a pas trop de problèmes d'accord, vous savez les jointures des bras, donc c'est plutôt une figurine propre, même si c'est pas ma préférée des D6. Donc du coup on va passer quand même à la suivante maintenant. Alors la numéro 2 c'est Anko, d'ailleurs qu'on voit dans le premier Shippuden, enfin dans le premier Naruto, dans l'épreuve des Chunin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait exactement. Je crois qu'après elle devient une sorte de méchant vite fait, elle se fait contrôler par les serpents. Bah voilà, franchement son poster il envoie du style. Celui-là je pense qu'il va finir sur mon mur plutôt que les trucs un peu basiques. Non il est vraiment stylé, ah oui ça je me rappelle cette scène là. Ouais non super classe, et la figurine en elle-même est pas trop mal non plus. Donc voilà la figurine elle est comme ceci. Alors par contre c'est vrai qu'il y a quelques petits détails que j'ai remarqué, que c'est pour ça que je l'ai mis dans le dernier, parce qu'elle aurait pu être beaucoup mieux vraiment. Donc là on voit un petit peu au niveau de sa jambe, en gros les petits détails comme la peinture qui s'est un petit peu enlevée, ou quand en fait quand je la place droite, j'ai l'impression qu'elle louche un petit peu, qu'elle est pas super droite, mais bon après c'est pas grave. Mais là où j'ai un problème c'est déjà au niveau de ses cheveux. Je sais pas pourquoi ils lui ont mis les cheveux noir gris alors qu'elle a les cheveux presque violets quoi. C'est un peu bizarre, sinon en soi la tête elle est stylée. Bon là il y a une petite jointure mais bon ça c'est pas grave. Le truc je sais plus ce que c'est, une sorte de brochette de poulet peut-être. Mais après c'est vrai que le gros point faible c'est ici, donc au niveau des seins. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait une sorte de body paint, on dirait qu'elle a été peinte sur le corps. Alors que c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas aussi moulant, hein. C'est un peu bizarre. Du coup, ça tranche un petit peu avec la tenue de ninja, je sais pas, ça fait un peu trop racoleuse limite. Ça fait un peu bizarre, mais sinon, la figurine en noir, en soi, elle est classe quand même. Son manteau, il y a quand même du style. Bon, alors attends, là, il y a eu des bons un petit peu, c'est pas grave. Mais sinon c'est plutôt classe. Donc du coup on va passer à la troisième. Du coup la troisième c'est Konohamaru. Alors forcément je m'attendais à ce qu'il soit ici, parce que alors soit qu'il soit en adulte ou soit qu'il soit comme ça. Alors d'ailleurs je sais même pas s'ils vont nous faire une figurine de Boruto, malgré que je pense pas, parce que c'est quand même l'univers de Shippuden. Du coup le petit poster, il est plutôt basique par contre le poster, donc c'est juste l'équipe, je sais plus comment qu'ils appellent leur équipe déjà, j'ai comme un trou. Mais sinon bon le poster est un peu trop bling bling, trop de rose. En tout cas voilà, donc la figurine. En soi la figurine est franchement classe, y a pas à dire. Alors c'est vrai que son visage est peut-être un tout petit peu, juste au niveau du sourire, un tout petit peu trop forcé peut-être. Et il est un tout petit peu plus pâle par rapport aux autres, j'ai remarqué. Mais sinon c'est classe. D'ailleurs bah on voit là il y a son. Bon après ça c'est normal, hein, c'est parce que ça c'est son truc qui pend par terre, mais je trouve ça classe qu'ils aient fait une écharpe aussi grande. Mais ouais non franchement c'est classe, hein. On le reconnaît bien quoi, il n'y a pas trop de problèmes de jointure, on la voit à peine quoi. C'est plutôt propre, franchement c'est plutôt propre. Et du coup on va passer à la suivante, et là ça commence à devenir de plus en plus stylé je vous le dis.
Du coup, nous voici avec Rin, donc la... Enfin, la petite... C'est celle pour qui il est tombé amoureux, l'autre Obito, là. Bon, en même temps, on l'a en enfant, d'ailleurs, je sais pas... Enfin, si, parce qu'on, du coup, on la connaît pas en adulte. Je sais pas du tout si on aura un Kakashi et un Obito en étant enfant. Je sais pas du tout, ça, bon, ça me paraît très bizarre. Oh, par contre, le poster est plutôt classe, je trouve, en chibi, comme ça. Je les trouve plutôt stylés. Bon, le fond, il est pas sans sas. Mais ça reste classe. Et du coup, la figurine est franchement stylée. Je trouve que son visage est certainement un des mieux réussis de ces dernières figurines. Je trouve qu'il est vraiment bien, bien représenté. Alors du coup, bon, on voit un tout petit peu la jointure au niveau de ses cheveux. Mais c'est vraiment très, très propre. Franchement, je vois... franchement, c'est nickel, quoi. J'ai rien à dire. Sa position, bon, alors comme vous voyez ici, il y a un tout petit trou... Mais ça, c'est normal, en gros, c'est sa main qui doit aller d'ailleurs, qui doit aller là-dedans pour se poser comme ça. Moi, j'irai le coller avec un peu de colle, ça sera pas de souci. Mais non, franchement, elle est ultra propre, c'est cool. Je pensais pas qu'ils allaient la mettre, mais du coup, ça fait partie de la collection, c'est plutôt classe. Alors, du coup, on va passer à la suivante, et là, les deux dernières sont complètement dingues. Du coup, la cinquième, je l'attendais énormément, je me doutais forcément qu'ils allaient la mettre. C'est Naruto en mode ermite, Rikudo, la meilleure transformation, et forcément la plus stylée parce qu'il est quand même le plus puissant. Je m'attendais pas à ce qu'ils en mettent autant des Naruto en forme de Kurama et tout. Du coup, le petit poster, ah bah voilà, le poster ultra stylé. Le poster ultra stylé quand il est en forme... avec le meuf, je vais encore oublier son nom tellement qu'elle est useless, quoi. Franchement, vraiment stylé. Ouais. J'adore ce genre de poster avec tout plein de petites illustrations du manga. Je trouve ça plutôt classe, mine de rien. C'est vraiment le genre de manga, enfin de poster que j'accroche plus facilement dans ma chambre que quoi que ce soit. Et voilà, la figurine complètement monstrueuse, je la surkiffe. Je trouve ça vraiment classe qu'ils y aient mis quand même les petites boules tout autour. Donc là, il y en a 7, plus les deux autres qui font des bâtons. Franchement, mais elle déboîte, quoi, tout simplement. On voit pas trop de jointure, c'est vraiment très très propre. On reconnaît bien son visage, d'ailleurs, qu'ils lui ont mis le mode chakra, forcément. D'ailleurs, ça, c'est un peu... C'est vachement bien collé, donc ça, c'est cool. Bon, après, ça, heureusement, ils auraient pas pu trouver d'autres solutions. Mais je trouve ça franchement très, très propre. Il n'y a pas à dire. C'est une de mes meilleures figurines. Surtout de Naruto, je crois que c'est ma préférée. Celle aussi où il est en mode chakra Kyubi avec la cape et tout, elle est excellente. Mais je pense que je mettrai celle-là au-dessus quand même. Hein. Et on va passer à la dernière figurine qui est tout aussi dingue. C'est pour ça que je l'ai mis en dernière, forcément, donc c'est tout de suite. Et voici du coup la dernière figurine de ce lot, donc petit Gamakichi. D'ailleurs, je crois que c'est quand il est en... Je crois que c'est quand il est en adulte, ça, quand il est vraiment très très grand, quand il se fait invoquer par Naruto. Et elle est franchement mortelle, d'ailleurs. Je sais à l'avenir qu'on aura plusieurs figurines, c'est-à-dire qu'on aura... le poster, il est beaucoup trop simple, je trouve, le poster. Il est sympa, mais sans plus, quoi. Et je sais d'ailleurs qu'on aura les autres monstres, d'ailleurs, de celui de Sasuke et celui de Sakura aussi. Du coup, elle est comme ceci, donc elle est vraiment, vraiment stylée. Ça se remarque pas, mais mine de rien, dans ma main, ça fait plutôt... Elle est vachement lourde, hein. Elle est vraiment excellente, on voit pas trop les jointures, bon, juste au-dessous de son cou. Mais faut vraiment regarder quand même dans les détails. Et elle est franchement stylée, elle est vraiment très très lourde. D'ailleurs, elle tient ultra facilement, elle tient super facilement sur ses pieds, quoi, il n'y a pas à dire. Au niveau des détails, alors je crois que ça c'est quand il en adulte, hein, vraiment, ça c'est quand le petit Naruto il l'invoque. Mais ouais, elle fait vraiment partie de mes figurines préférées. Et j'ai hâte d'avoir le serpent aussi de Sasuke et le... J'ai oublié le nom des invocations, mine de rien, avec celle de la limace aussi, de Sakura et de Tsunade, donc ça va être hélas. Malheureusement, je crois qu'on n'aura pas les figurines Bijou, les dernières. Par contre, je sais qu'on va avoir une Jubi, c'est un truc de fou, une Jubi, les gars. Le monstre a dit que ça va être un truc de taré.
Ça aurait été fou, vraiment ça aurait été fou si on avait eu toute la collection complète avec les 9 autres, donc les 6 autres. Parce qu'on aura quand même les invocations, enfin non, on aura les Gen Shuriki, donc ceux qui sont censés les contrôler. Mais on n'aura pas les autres monstres, c'est dommage. Mais franchement, le Jubi, ça va être un truc de fou. En tout cas, du coup, on se retrouve pour le petit plan et la conclusion de toutes ces figurines. Et bien du coup, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo unboxing, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Il y a quand même des figurines vraiment stylées, j'ai trouvé, surtout les trois dernières qui sont vraiment mes préférées, je pense, surtout celle de Naruto quand même. En tout cas, on va se retrouver dans le prochain unboxing, d'ailleurs n'hésitez pas vous à me dire c'est laquelle votre préférée. Et on se retrouvera du coup, comme je le disais, pour les 6 prochaines figurines dans le prochain truc. D'ici là, je vous dis donc, portez-vous bien et à plus tout le monde.